Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin, on se retrouve pour la suite de Opération Raccoon City avec toujours Steve. Ouais, chez moi, ouais, vas-y, on va continuer, j'ai la manette. Allez Steve, joue. Voilà. Oui, j'ai toujours pas réussi à voir Steve, hein. Donc déjà j'ai fait The Evil Weeting, un truc. Oui, parce que vous aurez remarqué, c'est pas vraiment Steve. Voilà, je sais pas où il est. Et toi, penses quoi, toi? Ouais, je sais pas, il est facile. Ouais, parce que c'est ça la surprise que je t'avais dit pour The Evil Weeting, pour ça que je te le conseille, parce qu'en fait je commence la vidéo en disant on est avec Steve pour la suite de The Evil Weeting, et je fais y a. Donc là les gens ils se sont dit, ils se foutent de notre gueule. Alors je t'ai mis exactement le truc, alors le mec assaut, le mec scientifique, le mec soigneur, et puis la meuf au pif. Voilà les meufs, en fait c'est... Comme j'avais dit, ils ont fait l'inverse des, tu sais, ouais, des genres au niveau des classes. Donc c'est l'inverse de la dernière fois. Avant, on avait trois meufs et puis on prenait un gars au pif. Là, ça va être l'inverse. On a trois gars et on prend une meuf au pif. Faut bien qu'ils se tapent quelque chose à la fin. Voilà. Bah, sachant, voilà, comme ça, les féministes, faut comprendre, faut laisser quand même une petite part aux hommes. Chacun son tour. Vous avez de la chance, vous étiez les premières. Je vous pisse à l'arrêt, Odile! Ok. Là, c'est pour toi. Ah, super cool. Bon, il est plus très frais. Enfin, je sais pas. Ou le Pepsi, ça se garde bien. On a une épidémie sur les bras, les gars. On doit boucler la zone. C'est le chaos en ville. Oh putain, c'est le doubleur habituel des commandants. Déployez les agents spéciaux. N'est-ce pas? C'est ça, hein? Dans les Call of, il en a déjà fait, lui, hein. C'est toujours le mec à la radio que tu vois jamais. Oh, ça va, il est franc, quoi. Ok. Alors, celui-là, je l'ai terminé. C'était au tout début du suivant que je... Par contre, le combat de boss final, il est chaud. Putain, j'ai mis 20 minutes, je crois. What? Ok, il y a une lunette derrière, ok. Je me disais, merde, ça t'était retourné. Shona, scientifique, au rapport. Du coup, t'as enregistré ces points niveau, c'est ça? Ouais. Et après, bon, moi j'avais pris le black et toutes les meufs. Ok, bon, alors je précise, comme je vous dis, hein, je n'ai jamais vu ces DLC-là et tout ça. Tu laisseras les cinématiques, je suppose. Parce que tu découvres, donc. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Vu que toi, je pense que tu feras pas le petit peu de suite. Je sais pas. Non. Ah, voilà. Bien sûr, comme. Bon, on a zappé aussi la première campagne, mais la première campagne, on s'en battait les couilles, cet ombre-là. Par contre, a priori. Alors, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux campagnes, en fait, c'est vraiment, la première, c'est si Umbrella avait bien dominé le game dans le truc, et la deuxième, c'est si l'armée américaine avait bien dominé le game, c'est pour ça que tu vois que des mecs de l'USS en ennemi, tu vois, une tonne de trucs dans cette campagne, et inversement dans le truc. Et c'est pour ça que tu visites des lieux et où t'as l'impression de faire la même chose, sauf qu'il y aura un résultat différent. Qu'est-ce qu'ils ont? Par exemple, tu revisiteras le laboratoire, j'ai vu, avec le tyran allongé, sauf que la fin sera pas pareille. Ouais. Si tu te rappelles où il fallait récupérer le truc. Voilà. T'en penses quoi du fait de faire deux trucs, déjà faire deux trucs parallèles, comme ça, qui n'ont rien à voir Et si machin avait été dominant. Bon, c'est qu'au final, aucun des deux n'a été dominant lors du truc. Hein. Umbrella s'est foiré, l'armée américaine s'est foirée. Hein. Là, c'est juste leur moment de leur donner un exploit. Ouais. Un effort, ouais. Ouais. Et donc, tu vas affronter des mecs du SS. Bon, tu verras quand même quelques spec ops, truc. Mais alors, les mecs, c'est bonjour. C'est juste parce qu'on est là. Oh! Putain, mais il prend beaucoup de bœufs, ma parole. J'aimais le look de mon perso. Ouais. Donc lui, c'est le chef de l'équipe. Voilà. Ouais. Alors là, c'est des purs américains, à part, je crois, une qui est anglaise ou irlandaise ou je sais pas quoi. Ouais. Là, c'est des purs américains qui ont au pire une double nationalité, mais tu vois. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait, elle? Ouais, je suis partigueur. J'ai le feu au corps. Bien équipé. Bon, ça se voit que la meuf elle a chaud vu comment elle est équipée en fringues. Hein. Bon, comme j'ai dit, on alternera entre les meufs dans la deuxième campagne, on prendra une autre. Hein. Ah, c'est quoi ce truc? Ah, d'accord. J'ai pas vu. C'est vrai que ça, on n'a pas l'habitude, les chiens.
Oui, voilà. On a vu des Cerberus dans le tout premier niveau, je crois, de la première campagne. Ouais. Alors ça, techniquement, c'est pas des Cerberus, c'est des chiens zombies. Moi, je précise le truc parce que les Cerberus, c'est des armes biologiques vraiment créées pour le truc. Les chiens zombies, c'est pas volontaire. Ouais. Hein? Tu vois aussi une différence, en général, les Cerberus sont un peu plus forts que les chiens zombies. Ouais. Vu que c'est des armes biologiques, c'est comme les Hunters. Bon, après les zombies, il n'y a pas vraiment de différence que si tu les injectes directement le virus ou si tu les contamines par d'autres moyens. Bon, ça se voit que c'est le début, hein. T'as l'impression que c'est comme faire l'intro où il n'y a que quelques zombies. Sympa l'emblème, hein, quand même. Ouais. Bon, moi, c'est vrai que ça change un peu, et donc tu me dis que t'avais pas rêvé, parce que moi ça me donne un petit esprit. Bon, pour toi, c'est quoi, je t'ai vu. Pas comme ton pote. Bon, par contre, comme j'ai dit, le boss final, tu vois. Alors, peut-être que toi tu vas le faire en 2-2, mais alors moi je sais qu'il était chiant. Dans les couilles. Tu suces, c'est pour toi. Donc, on alternera donc entre les meufs. Alors, les autres meufs, c'est assez sympa aussi. Ouais. On a une rousse encore plus balèze que. Ah, on a la chaudasse, là, que t'as pris. On a la grosse musclée, voilà, vas-y, je te défonce la gueule. Hein. Et on a la meuf très jolie et tout, voilà. L'icône du groupe. Non, il est juste... Salut, je me suis caché. Il a cru qu'on jouait à cache-cache. Par contre, je me rappelais pas que les Crimson Dead, dans le premier Resident Evil, ils rayonnaient de rouge. T'es en train d'imaginer? Eh, tu dis, il y a les deux qui causent. Ah, les deux flics zombies. Ouais. Hey Robert, tu t'as fait quoi hier? Oh, j'ai encore bouffé un. Un papy de bulle. Ah oui, le passage à la station radio. D'ailleurs, station radio qui est mentionnée dans, dans Umbrella Chronicles, dans le scénario Icon. Ouais, parce que. Parce que tu reçois un truc de la radio. Bon. Donc le Black, c'est le mec, donc c'est l'équivalent de Four Eyes, comme j'avais dit. Ouais. Et le gros dur, mais qui est en fait tout gentil, c'est celui qui te soigne. Voilà. Ça veut dire qu'il te fout une grosse baigne pour te réveiller. Hein? Je sais pas comment ça se passe ou il te fait un gros câlin. Oh. Tu veux pas savoir, c'est ça? Ouais. Bon, t'as vos côtés, ils sont... Ah ouais, les premiers mecs d'Ambola, la France. Et comme d'hab, ils sont plus résistants qu'un putain de zombie. Je sais pas... Aïe. Bon, au pire des casquettes... Fonce. Au pire, tête baissée. Oh putain. T'as failli marcher sur ton pote en pleine roue. T'imagines? Juste quand il fait le truc... Ah. Oh, le save. Super soldat, yeah. Ah merde, tu vois là, non. Oh, c'est chouette, hein. Bonjour monsieur, monsieur, vous tirez sur un cadavre. Bon, par contre leur look diffère de ce qu'on a l'habitude dans les USS. Ouais. Parce qu'ils ont un masque de nuit, si t'as fait gaffe, ils ont pas... Salut. À part certains qui ont des masques, vraiment les masques à gaz. Tiens, spray. Ouais. Ça fait zizir la famille, hein. Tu lui dis salutations de ma part. Salutations distinguées. Merci. Faut faire gaffe pour les documents. Merci. Il n'y a pas un ennemi à gauche? Ah. Je me disais, le mec. C'était pas un ennemi là à gauche. C'est le mec qui était comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi? Ah, j'avais complètement pas vu mes conseils, hein. C'est vraiment une découverte, automatiquement. Ouais, ouais, mais moi, comme je suis, on va dire, l'observateur, moi je l'ai vu, je me suis dit, mais attends. Mais voilà, après, quand quelqu'un. Mais attends, mais. Non, mais. Oh. Lui aussi, mais tu l'as. Lui aussi, tu les as pas vus. Ah, ben, réaction zéro, quoi. Eh, hey, bonjour. Eh, hey, je viens vous livrer le colis. Je dépose où? Ah, là, merci. C'est gentil. Et non pas à la merci, hein, parce que à la... Allez, récupère. Approche. Putain, faut que je mette un couvert, quoi, c'est quoi ce mongol, là? Non, je crois que c'est pas ce que tu visais, je sais pas. Je peux pas interagir. Enfin, j'ai peut-être interagir, tu fais quoi? Je sais pas.
Peut-être qu'il faut que tes potes soient là, c'est con. Ah, allumer les projecteurs. Attends. Ah demande, c'est pour ça. Ça. Ah, ça marche bien. Bien, bien. Trouvez des fusées éclairantes dans la zone. Trouvez une autre façon de signaler votre présence. Ah, peut-être que là maintenant, faut, je sais pas. Alors, rien. Alors, c'est où l'objectif? Et c'est là-bas. Débloquer les gens, toi. Bon. Ouais. Alors. Les fusées éclairantes, ils sont là-bas. Voilà, super. Et lancer depuis le toit. Ah bon, je pensais que je devais le faire sous terre. Mince alors. Attends, on va déjà fouiller un peu là avant que. Casser une petite gueule là quelque part. Merci à tous ceux qui participent au court-métrage. Si c'est la famille, bien. Les amis. Une belge qui se reconnaîtra si elle voit cette vidéo. Une fois. Alors. J'ai plus éclairant, peut-être qu'on monte. Et maintenant tu fais ouh Brad, je suis ton Amazon. Non. Non. Brad. Il est armé dessus. Putain, c'est le tonton bourré des soirées. Allez meuf. Alors la petite bœuf. La petite bœuf des familles qu'on fume avec son grand-père. Une autre carrière dedans. Alors. Fusée de milice. Ok. Bon, on va lancer. Drogue ! Survivez jusqu'à l'arrivée des renforts. Ah, j'adore ça. Putain ! La Fordem. Ouais, c'est ça, là, le cri de la horde, il y a le tank qui va arriver. Réveille pas la witch, hein, fais pas chier. Fais gaffe aux smokers, ils sont sur les toits, ils mettent. Non mais sérieux. Oulala, oulala. Hunter. Là moi je suis à fond là. Je m'attends à ce qu'il y ait Francis qui vienne commencer à insulter tout le monde. Hein. Ouch. Je hais les ascenseurs. Je hais les mecs d'Ambrella. Y'a ton pote qui se fait buter là en bas, si t'as fait gaffe. C'est pas grave. En fait, tout le monde est en train de se faire buter, là. Ah, c'est comme dans mes souvenirs. C'est tous des branches. Hein? C'est vous. C'est tous des branches. C'est déjà bien parti, cette campagne. Hein? Il y a tout le monde... Ah non, la fille, elle est encore debout. Tiens, je suis au mode zombie où je dois faire tourner les zombies en bourrique là. Par contre, Houston! Mayday! Cette grenade n'a servi à rien. Exactement. Bon les gars, vous pouvez me lâcher là. Il fallait bien coordonner, tu sais bien qu'il faut jamais appeler le moyen de transport avant de s'être bien coordonné, c'est l'éternel quoi. Hein? Fallait. Oh, oh putain! En plus, je suis sûr que les couilles étaient en train de venir là, c'était presque bon là. Ok. Ok. Bon, au moins cette fois-ci, le black il s'est pas paumé en bas. Maintenant, au lieu de prendre une munition, je prends un chargeur complet de 60 pour en éliminer un. Le progrès, c'est Apple. Non. Chargeur vide. Merde, vite. Et mon fusil. Et mon fusil. Et mon fusil. Ouais, le fusil disparaît. C'est pas bien.
En fait, le but c'est vraiment de les éliminer rapidement, quoi. Bah, j'ai compris. Parce que là, il a un surstock, quoi, et c'est mal. Bon, le Black, comme d'hab, il est comme dans un film d'horreur, il a une espérance de survie de 15 secondes. Hein? Ouais. Oh, regarde, le mec a déjà perdu la moitié de sa vie. Enfin, par contre, il est retiré. Bon, après, je sais pas s'il faut vraiment attendre ou si, voilà, si on vient limiter jusqu'à qu'il y ait renfort. Il y en avait beaucoup les Grimms à Dead. Non mais ça je suis sûr c'est tous ceux que les survivants de Woodbreak, de Jill, Claire, compagnie, ils ont buté forcément. Hein, hein, ils t'ont laissé un tas de zombies qui redeviennent des Grimms à Dead, hein, sur le chemin et voilà, c'est toi qui te l'es fait maintenant. N'empêche on est d'accord, ça aurait été chaud putain quand il y a eu 2 ou 3 avec une tonne de Grimms à Dead comme ça. Ouais, ouais, j'avoue. Ah même Nemesis il aurait galéré. Oh la putain! Et puis il aura demandé l'aide de William Birkin, du tyran de, du 2, et Mister X. Et les gars, aidez-moi! S'il vous plaît! Vous m'aidez à capturer Jill et moi je vous aide pour le. Oh! Truc. Ah bah voilà, help! T'as vu, il y avait marre. C'est l'aide! Ah! Oh, peut-être on fait du spray pour mon spray, les bandes d'enculés! Oh! Le spray? Oh, il était, déjà, il était déjà plus là quand t'as ressuscité. Les bandes de troufions, quoi. Ah, le merci. Spray, tu n'as pas pris, en fait. Le spray... Putain, ouais, j'ai vu que t'étais en train de faire le tour de Star Wars pour faire oublier la mémoire ou pour te mentalement. Bon. Tu n'as pas vu ça. Tu es un esprit faible dans un corps sain. Ouh. Ça va, c'était juste ça. Hein. On va ramasser la bœuf. Putain, mais maintenant que je vois eux, j'ai envie de les tuer, quoi. Ouais, vas-y. Ah, mais le fait de tellement avoir l'habitude de les avoir combattus, maintenant, sont tes amis, quoi. Vas-y, check. Check ça. Oui, je suis un PNJ. Au pire des cas, ça peut-être respawn. C'était là-bas. Ah, carrément, là. C'était là-bas. Ah, je le sens, c'était pas du tout. C'était là-bas. C'est toi, gros. Ah, bah non. Bon, maintenant, casse-toi. On n'a pas tout le temps de la journée. On n'a pas tout le bonheur du monde. Et des mains sans enclin. On aime bien les fausses blondes. Sauf celles qui ont des seins. Ok. Alors, est-ce que tu vas bientôt voir ton pote? Ah, esprit. Et là, il disparaît. Juste devant toi. Il fait... Et puis il s'en va là. Tu imagines? Oui, je meurs parce que ça, oui. Ah bah t'as pas qu'à mourir, Steve. Ah. 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 Désolé. Il est en train de jouer, Steve. Ah mais bon, quand tu vois de l'aveu, tout ça, ça te dit bien, toi. Cette phrase, pas sortir du contexte. Quand tu vois de l'aveu, c'est bien. Steve est pour la légalisation de toute forme de drogue. Il va même commercialiser sa propre. La Steve People. Elle fait planer jusqu'à 15 mètres. La police fait plus son devoir là. C'est quoi ce bordel? Hein? Leur but c'est pas de devenir des zombies. Non mais. Par contre, moi ce qui me fait rire, c'est que t'affrontes aucun membre du SWAT zombie. Bon après non, surtout ce qui me fait rire c'est que putain ils ont même pas respecté les uniformes. Allez, pourquoi ils me plaisent enchaîner? Non. Ouais. On est d'accord, ils avaient pas du tout cet uniforme hein. Les policiers de Raccoon City. C'est les mecs, niveau respect c'est... Là, c'est là tu vois, c'est ici le niveau respect. Oh, je suis méchant, ils ont quand même mis le beffroi de Resident Evil 3. Je vais remonter à là. Voilà. Oh, ah oui, le commissaire, ouais, c'est bon, tu vas... Bah, tout ce que je me souviens, c'est que ouais, on a raffronté Nemesis avec eux, mais... Enfin, c'est vraiment la petite vidéo que j'ai vue, quoi. Oh, ok. Dégagez ! J'ai un beau décolleté. Bon, déjà, on est d'accord, elle venait pas de par là, normalement. Parce que là, c'est là où viennent Claire et Léon, en fait. Elle vient de l'autre côté dans le 3 si tu l'as fait. Jusqu'à ce passage. Ouais, bon déjà, il n'y a pas de moment avec d'un bus qui est truc. Hein? Et c'est ainsi que Nemesis il a remis droit en fait le bus que tu traverses avec Léon.
Ça vaut pas le doubleur original, hein, moi je dis. Non ouais. C'est quoi ce truc? Ah, faut échapper au monstre, ok. Faut pas le combattre. Protège la survivante. Protégez mon cul. Et vous pourrez voir ce qu'il y a sous ma jupe. Hein? Ouais. Oui, donc en fait, dans cette campagne, on va surtout voir Jill et un certain Carlos, qu'on voyait pas dans l'autre campagne. C'est plus Resident Evil 3. Mais il y aura quand même pas mal de Resident Evil 2. Notamment, tu verras quand même Léon et Claire. Mais vers la fin, tu te doutes, vu que... Lâche-la. Bon, j'étais vache. Au moins, eux, ils ont respecté le fait que Nemesis tire des tentacules. Wow. Hein, n'est-ce pas? Que même le film, si tu te rappelles, il avait pas respecté ça. Ouais. Si tu l'avais vu, le 2. Franchement, je sais pas. De Paul Anderson de merde. Ouais. De l'US, précisé. Hey, lâche ma femme. Donc, en fait, je vais mettre le niveau de respect à là. Parce que Nemesis a des tentacules. Même non, Brawler Chronicles, il les avait pas à part dans sa forme mutée, donc vas-y. Même dans l'autre campagne, il n'avait pas les tentacules. Ouais. On est d'accord. Shit, man. Et il est où, Brad? Parce que dans le 3, il tue Brad. Le pilote de l'origine, hein, du premier jeu. Ouais. Putain, mais il a... Je sais pas si tu te rappelles. Ah, mais faut pas le tuer. Ah non, faut protéger Jill. Je suis en train de brûler mon corps. Tu crois tuer Nemesis, mais oui. Bah, t'as craqué. On doit sortir, et vite. Son pote. Je lui tire dessus avec mon Beretta. C'est comme ça qu'elle ouvre des trucs, elle. Mince, le frigo est coincé. Chez des amis, ça doit être classe. Tu poussez vous. Fuis. À moins que t'aies pas d'endurance comme un certain Sébastien Castellanos qui s'épuise en 2 secondes. Je crois qu'il fallait, fallait monter. Monsieur, suivez un peu. Prends la moto. fais du ride. Le mec, il monte en moto. C'est ce que j'étais en concentré à suivre le plan. Sors la grenade incendiaire de son cul. Allez, je t'en stressé que... Ah, le lance-grenade. Celui du 3, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Toi, t'as pas encore assez joué. On est d'accord qu'après celui-là, tu fais le 3 en mode difficile. Donc ça vaut. J'ai toujours pas fait le 3, je te rappelle. Pas grave. Ce sera le prochain Resident Evil que tu feras quand même. Bon, après, on a d'autres trucs que du Resident Evil à continuer en attendant, si t'as toujours pas fait. J'ignore ce que c'est, mais rien ne semble pouvoir l'arrêter. Putain, Jill a une bonne merde. T'as un double agent, mais... N'oublie pas que je t'avais proposé de mettre les voix en anglais. C'est vrai. Moi, tu me fais pas, espèce de raciste. Oh, puis on le fera pour la prochaine fois. C'est là qu'elle a une voix encore plus pourrie, elle a une voix de canard en anglais, t'imagines? Antoine, c'est Dick Valentine. Ah, bonjour. Et Carlos, il... Je le vois comme ça. Désolé. Yep. Il tire en plafond, le mec. Je suis plus là. Mentalement. Alors, des données. Des incendiaires, ok. Encore des données. Et il y en a encore dans le truc, tu vois, c'est le mec. Ils ont mis toutes les données du niveau dans le même coin. Bon, ne crois pas. Un Nemesis, tu vas le redire bonjour. Et cette fois-ci, il faudra vraiment l'affronter. Me doute bien. Et putain, je te jure, je croyais que genre j'en finirais jamais le combat, parce que le combat il a duré 3 combats. Ça ne tiendra pas longtemps, restons pas là. Attends, qui es-tu? Ah, enfin la question. Valentine, je faisais partie du Stars. Laisse-moi deviner, cette créature sort des laboratoires d'Umbrella. Ouais,
Umbrella ne nous porte pas vraiment dans son cœur. On enquête sur certaines de leurs activités suspectes depuis un moment déjà. En plus, Jill, leur faudra un Jill, quoi. Vous entendez ça? Mon Dieu! C'est un cosplay raté! Des stars de la police de Raccoon City. Elle dit vrai, mais vous ne devez surtout pas lui révéler le but de votre mission. Tu te diriges vers où? Je quitte la ville. Vous devriez faire pareil. Pas si vite, Trésor. C'est comme si c'était facile. Enfin, moi je dis ça. C'est censé être super barricadé de ouf, Raccoon City, à ce moment-là, mais faut pas oublier qu'il y a Léon et Claire qui sont arrivés peinards, plus le camionneur. C'est qu'est-ce qu'ils foutaient, l'armée? La ville est en quarantaine, quoi, mais alors tout le monde rentre comme si c'était open bar. J'ai des infos sur Umbrella. Mais si j'étais vous, je quitterais Raccoon City tant que je le peux encore. En fait, ils sont tous rentrés en fait quand l'armée était en train de boire l'apéro. Je suis pas. Bon. Parce qu'on a une mission à faire. Et la mission s'appelle Mission. Pas bête. Bon, il n'y a plus d'objectif là. Ah si, rendez-vous à l'hôtel de ville. Bon, c'est pas où. Écoute, on verra bien. Débrouille-toi. Ah, il y a un petit truc là à gauche. Non, je sais pas. Ah, non, c'est juste les trucs. Ah bah voilà, c'est bon. Ah, enfin, je t'attends que les zombies. il faut quoi? Script. C'est que c'est. C'est la putain de partie que je viens. Et il est où? Il est où? Il est où? Ah, il est là! Enfin, hein. Il est où? Je suis sûr qu'il est par là! Bon. Oh! Ouais! Ah, c'est la bœuf. C'est l'heure de mon café. Ou non, le mec il prend le pot. Je suis en train vraiment d'imaginer. C'est le mec qui se trimballe 15 pots sur lui. C'est bon. En fait, Resident Evil, c'est une série pro-végétarien. Les survivants potentiels. Protégez-moi! Tirez! Ok, pourquoi j'ai vu un sniper quelque chose comme ça, je crois. Ou toi? Ah non, pas. Bah si, c'est un fusil à. C'est un sniper. Alors. Il faut protéger les Michel de Nemesis. Bon, j'ai mis un des survivants, c'est juste l'armée quoi, mais. Qu'est-ce qu'il fait lui? Eh monsieur! Au secours! Il y a Nemesis, il fait n'importe quoi! Bon, on est d'accord, juste Nemesis il fait n'importe quoi. Ouais. Son but c'est de buter les stars, donc Brad, Jill. Mais alors, pourquoi il s'en prend à eux là? Alors que dans le 3, bah il s'en prend que à Jill. Hein? S'il s'en prend à quelqu'un d'autre, c'est parce que Jill est là. Et donc, forcément, et parce que la personne dérange, comme Carlos hein, qui protège Jill. Bah ouais, peut-être pas de mais à aucun moment Nemesis il s'en prend à quelqu'un d'autre. C'est pas son but, il remplit bien sa mission de ce côté-là. Mais... Eh oh mec, j'ai besoin de mon temps d'apparition à l'écran. Tu vois, j'ai signé pour 55 minutes. On en est qu'à 30 minutes à l'écran, eh. 8 Spec Ops alliés restant sur 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ils sont tous morts. Il est chaud concentré de tomate, hein, le style. Le truc qui me gêne, c'est que je me fais tirer partout trop facilement. Et que cette photo me gêne. Ah, c'est là. Pourquoi tu l'as pas fait une Nemesis? Il s'est caché dans une voiture. Il est spoilé. Et là, tu te retournes juste derrière. Tu réagirais comment dans ce cas? Très mal. Tu peux descendre? Je pense que oui, c'est pour après. Fusil de précision. Ah ah. Bam. Moi, je suis un bon snipe, hein. Dans les jeux. Bon, ça, t'avais remarqué en général. Moi je fais des bons coups, je trouve. Ouais. Toi, je sais pas. Normalement, je crois que c'est pas ton fort, force. Je suis moyen, faut le faire. On peut pas être bon en tout, Steve.
Mais encore, hein, des fois. T'es bon pour mouler du café. Du café bien noir, hein. Clin d'œil. Hey, ils sont là-haut, les cons qui nous tirent dessus depuis tout à l'heure. Hey, les gars. C'est pas bien, c'est pas très halal. Aïe. Mais c'est aïe. Alors les couilles. J'adore doubler les ennemis. Je vais me marrer quand je vais doubler Nemesis. Alors, comment... Ah, Harley. C'est pas fini, hein. Harley. Il reste le gros moment de fin, tu vas te marrer. Ouais. C'est le gros passage où j'ai galéré. Ouh, allez. On progresse. Oh putain, je sens bien ici. Mais qu'est-ce que je sens bien? Ou pas. Tu le sens bien. Et là, tu vois Alma passer de l'autre côté du truc. Comme elle a l'habitude de faire. Et t'entends sa petite voix dans la tête. Nemesis va te poutrer, lol. Mais c'est vrai que j'ai pas vu où a disparu Nemesis. On verra dans la vidéo en replay. On verra sur le replay, tu sais, c'est comme dans les parties de foot. On verra si Nemesis est en faute. Ah, n'est-ce pas? Ouais. Oh! Oh mais sur ta tête mon gars. Et toi aussi sur ta tête. Aïe. Ah ils ont canaille. Ouais bah c'est ce que j'ai dit, ils ont des masques de... Certains ont des masques de nuit, c'est ce qu'on appelle comme ça. Comme dans un peu Fear aussi, il y avait des réplicas qui avaient ça. Les lunettes de vision nocturne. Pas de la bouffe. Non, mais tu peux le bouffer si tu veux, hein, quoi. Moi, je te donne pas beaucoup d'expérience de survie si tu le fais, mais... Vas-y, hein. LOL. Comme de diraient les jeunes. Le lance-patate. Je sens qu'il va être utile. Si t'en donnes un ici, je sens qu'il va être utile. Je peux mettre ça. Voilà. Tu veux prendre le gros lance-patate? T'es gaffe au script. Ah putain, ils l'ont repris avec sa Gatling, putain de merde. Bon, ok, hop. En fait, on verra jamais Nemesis avec son lance-roquette, c'est ça? Toi? Alors, oula. On va faire gaffe à ça, par contre. Oula. Tu me saignes. Oh putain. Ah oui, putain, il a poussé ça au bon moment, quoi. Pousse-toi. Tiens, il y a ton équipe qui se bat. Peut-être bordel. Ouais, je te... Alors... Oh, tu vas te marrer, c'est la façon dont je te parlais, bon. Ok. Je sais plus si Nemesis peut te prendre de bonjour, je crois. Il a dit... Alors... Même pas mal. Voilà. Avec une super musique. Toi l'andouille. Hé hey. Hey, y'a un meuf là-bas. Alors, même pas mal. Tu peux tirer 15 fois si tu veux. Hé hey, putain, dégage toi là. Hey, putain, c'est qui a flammé la voiture? Hey, il l'a soigné, c'est pas du jeu. MJ. Tu vises aussi bien que ma grand-mère. Et ma grand-mère est morte. Je vois trop Nemesis, le gros clasher. Par contre, t'as remarqué que tes potes sont tous en bas. Attends. Il y en a au moins. Si tu regardes. Ouais. Pour l'instant, je shoot. Hein. Oh putain. Allez.
mal au cul. Gilles, sors de ta gâchette. En fait, Nemesis, il est bigleux. En fait, il croit que vous êtes Jill Valentine. Non. Ou Albert Wesker, vu que t'as pas de lunettes. J'ai mal. Bon. Ouais, il bouffe sa race, hein, je te l'avais dit. Hein. À un moment donné, t'es obligé de descendre. Prends-moi les gros moyens. On va te faire bouffer mon canon. Ah oui, il est chaud, Nemesis, là. Hein. Dans ce passage-là. Alors. Moi, je trouve même encore plus chaud que quand tu le rencontres dans l'autre campagne. Faut que je me planque quelque part. Allez, hop, vite. J'espère que la vanne n'aura pas l'idée de sauter. Mais dégagez, bande de cons! C'est mon mien! T'as encore fait ton truc? Oh putain, chier. Tu vas vouloir... Non, pas l'herbe verte tout de suite. Hein. Heureusement, il n'y a plus d'essence dans la station de service. Ouais. Faut espérer en tout cas. Ah bah, si en fait. Tu vas mourir, s'il te plaît. Non. Et après ça, c'est la fin du chapitre, c'est ça? Ouais. Super, parce que là, je crois qu'on va voir, c'est une CS. Ah mais quelle fin de chapitre, hein. C'est bon, ça va. J'aime les frites. Charles. Vive Satan. Tu vas crever, oui. J'ai même pas mal. Allez, on y va. Aïe. Commandant, on a éliminé la créature et tous les ennemis armés. Bien, monsieur. Ouh. Les vidéos ont permis d'identifier comme le Umbrella Security Service. Suivez votre mission. Allez à l'hôtel de ville et trouvez des infos sur l'emplacement des... Yeah. Oh, D, t'as toujours... Ok, première mission terminée. Super content. Bon, ça va, hein. Ouais, mais avoue quand même qu'il était long, hein, le Nemesis là. C'est vrai que je dis pas non. Il a été plus long que la première fois que je l'ai fait, quoi, d'ailleurs. Ouais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Toujours rien? Non, justement, faut que je décolle. On attend 15 minutes, tout comme ça, bon, tant que je fasse le chemin. D'accord. Je pensais que je resterais longtemps, mais bon. Oh, oui. Tu prends l'avion et tu reviendras une autre fois. Ouais. Tu reviens bon, un matin, je sais pas, comme t'es occupé, enfin 3 jours sur truc, alors peut-être les autres matins, on peut tenter un truc, et puis si les prochaines semaines, si t'as un après-midi, voilà. Comme ça on termine ça, après on peut se faire des trucs orange chaud et tout, et puis dès que tu te sens prêt à faire Resident Evil 3, on le fera aussi. Non, Resident Evil 3, j'ai hâte, hein, parce que celui-là... Je veux voir si tu y arrives, parce que, en fait, tu sais pourquoi j'ai hâte? Parce que celui-là, je l'ai terminé moi-même, donc je... C'est pour ça que je veux voir, autant un Resident Evil 5 ou un 6, je m'en fous que tu le fasses en super difficulté. Si, le code Véronica, tu peux pas, vu qu'il y a qu'une difficulté. Voilà, mais c'est pour ça. Oui. Le 2, je sais pas si tu y arriverais, surtout que c'est... Mais voilà, le 3, ça... Et puis comme ça tu peux voir, vu que c'est un où t'as... Voilà, tu découvres un peu. Ouais. Donc, j'espère que l'œil du cyclone vous a appris. La prochaine fois, on suivra les cadavres. Et en attendant, niveau difficulté vétéran.
C'était en vétéran? Je sais pas, j'avais mis en normal. Alors je sais pas si... tu te rends compte que c'est vétéran? C'est quand même la troisième difficulté, hein. Non, je sais pas, remets le truc, je livre, je sais pas. Spécial. Ah non, je sais pas, parce qu'avant c'était marqué vétéran, alors peut-être que t'as switché. Je sais pas, j'ai un souci du jeu, justement, bon... Bon, bizarre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se voit prochainement avec Steve. Parce que s'il était vraiment vétéran, c'est que lui, j'étais en vétéran, parce que après il se réinitialise quand tu retournes dans le menu. Ok. Ok. Je sais pas, c'est bizarre. On verra bien. Ça c'est marrant. À la Wagbar. Bonjour.